Madel, le corps du détenu, il a disparu. Il est dans sa cellule. Mais il était. Non, Kilk. Il n'était pas mort. Mais son cou, j'ai bien senti son cou se. Il n'était pas mort. Je l'ai retrouvé ce matin tranquillement assis sur sa chaise. Je l'ai remis dans sa cellule. Tu voulais quelque chose? Je crois que le capitaine, il a tout suivi à notre contre-enquête. J'ai tilté juste après la dernière intervention qu'on a fait à la maison Bradbury. Le capitaine, en fait, il a répondu à une question que j'avais faite lors de mon dernier enregistrement et je crois qu'il nous observe. Tu croyais que les caméras de surveillance étaient là pour notre sécurité? Il fallait te mettre une étiquette dessus? Attends, tu vas où avec tout ça? Mission personnelle, Kilk. Il serait temps que tu commences à te poser les bonnes questions. Pourquoi on était recruté? Pourquoi toi, Kilk? Pourquoi moi? En 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia, face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La Brigade du Livre. Parmi ses membres, un seul ose encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Kilk. Savez-vous combien de genres littéraires il existe? Environ une centaine, ouais. Et dire qu'il y en a qui s'amusent à les classer. Aujourd'hui, nous ne nous attarderons que sur 4 d'entre eux. Multipliés par 4. Ou alors 3. Ou puissance 2. Enfin, j'en sais rien. Moi et les maths, on a toujours été plus de 5. Les genres narratifs se distinguent entre eux par des critères thématiques. Cette catégorisation, c'est Aristote qui l'invente, avec la comédie et la tragédie. La première censée représenter des personnages pires que les hommes actuels, et la tragédie des personnages meilleurs. Aristote envisage même la représentation de personnages semblables, ce qui aurait pu donner le genre réaliste, qui n'a jamais vu le jour à son époque. De nos jours, si on en classe une centaine, c'est d'abord parce que la littérature s'inscrit dans un système bien particulier. Dans la dernière vidéo sur le pulp, nous parlions de roman de gare, et cette expression va prendre aujourd'hui tout son sens, avec un nouvel éclairage qui va mieux nous éclairer. Je remercie au passage Claire qui m'a apporté les quelques précisions à ce sujet. C'est au 19e siècle, avec le développement des chemins de fer, que naît une problématique nouvelle. Que faire de ces belles gares vides où transitent des voyageurs par milliers? Et c'est la librairie Hachette qui répond à ce désir de consommation en obtenant le monopole des points de vente de livres dans les gares. Elle crée en 1853 sa bibliothèque des chemins de fer qui vise avec 7 collections aux 7 couleurs de couverture une clientèle diversifiée afin d'occuper agréablement leurs loisirs forcés pendant le trajet et de leur fournir des renseignements exacts et complets sur tout ce qui peut les intéresser. Oui, Claire, ça sent très fort le public cible. À la fin du 19e siècle, le chiffre d'affaires de Hachette augmente autant que le nombre de petits libraires qui font faillite. Ce monopole et le pouvoir de censure que Hachette possède dans le choix de ses livres provoquent plusieurs scandales. Maupassant lui-même s'en plaint auprès de Zola. Vous savez que l'estampille pour la vente dans les gares n'existe plus? Eh bien, la maison Hachette, à qui appartiennent toutes les bibliothèques de chemin de fer, vient de me refuser l'autorisation de vente dans ses bibliothèques. Le particulier chargé de veiller à la morale des livres dans les salles d'attente a jugé mon bouquin obscène. Le catalogue de Hachette ne dépassant pas les 500 titres, ces derniers étant souvent des rééditions et parfois même allégés pour s'adapter à un public peu familier aux livres ou à cause du politiquement correct, il naît de ces scandales un climat de suspicion et de franche opposition. L'expression péjorative « littérature de gare » en découle. Grâce à Hachette, le livre devient un objet de consommation éphémère, banal, totalement désacralisé et bon marché. Là où je veux en venir, c'est que ce système de consommation dans lequel nous sommes plongés mène à un des plus grands travers de la littérature, l'étiquetage. On entre dans une librairie et les rayons nous guident vers une classification des genres définie dans le seul but de nous cibler et indirectement de nous cataloguer. Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits.
des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui représentent des choses mortes et sans mouvement, écrivait Félibien à la fin du XVIIe siècle. C'était à propos du genre pictural, mais le même classement de valeurs se retrouve dans la littérature. Dites-moi ce que vous lisez, je vous dirai qui vous êtes. Le genre défini comme tel est une étiquette collée sur un bouquin, sur son auteur et sur son lecteur. Et qui dit étiquette dit valeur, qui dit valeur dit comparaison, et comparer, c'est le mal. Alors à quoi sert le genre? Est-il seulement un concept négatif? Illustrons le propos. Ouvrons un bouquin. A priori, et d'après le titre, c'est un roman de SF. Comme si on passait un contrat avec l'auteur, intrinsèquement, l'appréciation de la couverture du roman nous range dans la catégorie des fans de science-fiction. Le titre et l'image nous disent à quoi nous attendre. En découvrant les premières pages, nous entamons la valeur heuristique de l'œuvre. L'auteur respecte-t-il son contrat? Nos a priori sont-ils confirmés ou devons-nous revoir notre jugement? Et là, bim, c'est le drame. C'est un roman épistolaire. Un autre genre littéraire où les protagonistes s'échangent des correspondances. Bon, là, pour le coup, ce sont des mails. Changeons donc notre étiquette. Nous poursuivons la lecture, mais aucune trace des descriptions ultra-technologiques de Stanley Robinson, aucune trace de space opéra digne de Jack Vance, pas une trace non plus du style d'Asimov. Vous avez remarqué ce que je fais là? Je compare, et c'est pas bien. Chaque auteur doit être pris pour ce qu'il écrit, chaque texte pour ce qu'il transmet, indépendamment des influences plus ou moins marquées qu'il peut porter ou qu'on voudrait lui prêter. Dans notre cas, Mars Océan met en scène un équipage en partance pour Mars, mais ceux-ci sont filmés 24 heures sur 24. De fait, Mars Océan est une critique des rouages de la télévision, de la célébrité et de la télé-réalité. Ainsi, ce livre n'est ni un roman de SF, ni vraiment un roman épistolaire, mais plutôt un apologue. Une fable moderne à visée argumentative. Épistolaire. À la sauce SF. Souvent, donc, à la lecture d'un texte, il faut renoncer à notre idée générique et à notre compréhension a priori du texte, sous peine de ne pas pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Même si un roman se crée à partir de la vision de l'auteur, et d'autres œuvres déjà préexistantes, un auteur n'écrit jamais un livre pour son genre. Un auteur écrit d'abord une histoire. Le contrat entre l'auteur et son lecteur doit donc être signé a posteriori de la lecture, car l'intrigue peut être multigenre et du coup inclassable. Mais remarquez-vous ce que je fais là? Non. Je m'appuie sur les genres traditionnels d'un livre. Sans ces définitions préalables, je ne pourrais pas repérer les transgressions d'un roman et tous les bouquins seraient indifférenciés les uns des autres. Si l'on devait mesurer l'innovation littéraire, son esthétique, il faudrait tout de même se fonder sur les genres traditionnels. Allons-y. Si vous êtes plutôt science-fiction, j'ai lu récemment Seul sur Mars, premier roman d'Andy Weir, publié chez Bragelonne en 2014. Il raconte l'histoire de Mark Watney, un des premiers hommes à marcher sur la surface de la planète rouge. Il s'y retrouve malheureusement laissé pour mort par ses coéquipiers suite à une tempête de sable qui avorte leur mission. Mais, malin comme un diable, Watney tente le tout pour y survivre, tandis que la NASA s'active sur Terre pour le secourir. Mis à part le fait que le roman est adapté cette année au cinéma, sur une échelle de 1 à 42, qui est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste, où se situe Seul sur Mars? Le roman appartient clairement à la hard science grâce à ses longues pages descriptives de connaissances qu'utilise le héros pour se sortir de l'embûche. C'est simple, si un jour vous vous retrouvez coincé sur Mars, sans moyen de communication, ce livre pourra sûrement vous sauver la vie. Cependant, le roman appartient aussi au roman d'aventure par sa succession de péripéties, voire même au thriller dont il réutilise les codes, comme les cliffhangers présents à chaque fin de chapitre. Mais il n'y a pas que ça, la majeure partie du bouquin est tenue comme un journal de bord. Seul sur Mars relève donc aussi du genre biographique, plus précisément de l'autofiction ou du journal intime. Le héros fait pas mal de blagues vaseuses. Au-delà de ça, Seul sur Mars est une bombe de la SF moderne. Les personnages sont bien construits et l'intrigue terriblement bien ficelée. Je vous le conseille, assurément. Catégorie poids lourd de la fantasy, mon dernier coup de cœur, c'est L'Instinct du Troll de Jean-Claude Dugnac, publié chez l'Atalante cette année en 2015. L'Instinct du Troll raconte les aventures intimes d'un troll bossant dans une mine et chargé de missions ponctuelles. Déjà que le bougre est plutôt du genre taciturne,
on lui refile un stagiaire humain encore vert derrière les oreilles qui s'appelle Cédric. Cédric. Ce livre est un concentré d'humour, jeu de mots et calembours, et sur l'échelle de la fantasy, il se classe automatiquement dans la catégorie light fantasy. Le livre est un assemblage de 4 nouvelles qui forment un tout cohérent, et si ces histoires sont parfois hilarantes, c'est parce qu'elles empruntent beaucoup à la satire. Oui, l'instinct du troll passe aussi par la case satire de notre société, et en particulier du monde du travail. Satire aussi de la fantasy elle-même et de ses clichés. Terry Pratchett est mort, paix à son âme, mais la fantasy humoristique est bel et bien vivante. Ce livre vaut vraiment le détour. Côté fantastique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'échelle y semble beaucoup plus floue, puisqu'on pourrait y confondre les genres et les mouvements artistiques dépendant des lieux et des époques. La mienne n'est donc pas exhaustive et pourrait être davantage construite. Dans la bonne trempe du fantastique, j'ai découvert Le Songe d'Adam, écrit par Sébastien Péguin, publié aux éditions de L'Homme sans nom en 2011. L'intrigue se déroule en Allemagne, en pleine forêt noire, autour d'un chalet où Hugo Wagner et sa fille Morgane s'installent. Hugo, enseignant, doit y terminer sa thèse et les documents dont il a besoin sont dans une toute petite bibliothèque d'un village perdu dans la forêt. Il est cependant hanté par le fantôme de sa femme, tandis que sa fille, une ado hypersensible, se met à avoir d'étranges visions. Les éléments surnaturels surviennent dès le début de l'histoire, consolidés par un background mythologique et philosophique épais et précis. C'est un roman fantastique et horrifique qui mêle les légendes traditionnelles de la forêt noire à notre univers contemporain. Le style de l'auteur est surtout appuyé par un esprit romantique, dans la description froide et détaillée qu'il fait de la nature et des sentiments exacerbés de ses personnages. C'est une très bonne surprise dans le paysage fantastique français. Dans la mouvance polar, parlons un peu d'une BD qui vaut son pesant d'or, Balles perdues de David Latham, sorti en 2001 aux éditions Bulldog. Balles perdues est un ensemble de 3 récits dans le premier tome. 3 destins croisés autour d'un personnage central qui n'apparaît jamais, Harry. 3 histoires qui se développent du côté malfrat en opposition avec le côté enquête de flic, avec un réalisme dans le trait et une profondeur psychologique peu égalée. Et c'est cette profondeur saisissante qui m'a énormément plu dans ma lecture. Du coup, dans notre échelle du polar, je le situerai clairement dans le roman noir. Il dépeint en effet un univers sombre où le crime est omniprésent mais masqué, et Latham y superpose une vision personnelle, critique, presque pessimiste de la société américaine. J'ai vraiment adoré. Conclusion, si vous ouvrez un bouquin, ne vous fiez pas au genre que l'on vous a vendu. Ce n'est qu'une étiquette incomplète et réductrice. Si vous ouvrez un bouquin, lisez. Et puis c'est tout. Lisez ce que vous voulez, mais lisez. Si vous n'avez pas saisi tous les termes de mes échelles de genre, ou si vous n'êtes pas d'accord avec l'une d'entre elles, ou encore si vous voulez apporter des précisions ou des nuances, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, ils sont là pour ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker là-dessous, à visiter notre page Tipeee, à nous envoyer des cœurs, on adore ça. Faites tout ce que vous voulez, mais lisez ! Orion, mon lieutenant, j'ai une question. Oui ? Pike ? Pourquoi on a été recruté avec Madame ? Je veux dire, c'est quoi son parcours pour qu'elle en soit arrivée jusque-là ? Vous trouvez pas ça bizarre, vous, qu'elle ait pas de gilet pare-balles, par exemple ? Bah, tu devrais lui demander directement, hein ? Oh, elle ne me répondra jamais. Et vous, lieutenant, vous venez d'où ? Bonne question. Vous faisiez quoi avant ? Je sais plus. Et d'ailleurs, pourquoi vous avez des sauts dans la voix régulièrement ? Comme un chat ? Mais là, à l'instant, là, à quoi ça rime ? Vous vous en rendez pas compte, c'est ça ? Bon, faut que je montre ça à votre personne.